On a une petite musique un petit peu romantique, ok, on va voir. Oula, je pense que Eva aussi, Eva, Tom, oula, vous rapprochez pas trop vous deux, hein. Alors, on vous voit hein, quand même, hein. Je crois qu'ils vont se faire un bisou, regarde. Ok. Et moi, je t'ai pas de Sesuka. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Alors, avant que la vidéo commence, les petits potes, lâche le plus gros like de ta vie. Comme d'habitude, poto, abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche pour rejoindre la Troll Family. Et c'est parti les amis, voilà, comme vous avez pu le voir, on est encore chez DiaboloFit35. Voilà, c'est le troisième jour des vacances. Et comme vous avez pu le voir, il y a encore du monde. Comment ça va Diabolo? Bah ça va très très bien, donc voilà, j'espère que toi ça va aussi. Ouais, ça va, ça va. Du coup les amis, voilà, le quatrième jour des vacances se trouvera dans l'épisode, dans la chaîne de DiaboloFit35. Du coup n'hésitez pas à aller voir. Et ce sera une grosse surprise en plus. Ouais, grosse surprise les amis, je pense que vous allez vous marrer parce que là c'était un petit en peu gros, chaud. Juliette elle avait dit quelque chose pour les 20 000 likes et du coup on l'a ouais, fait. Voilà. C'est vrai parce qu'on avait un objectif de 20 000 pouces bleus et vous avez mais bombardez ça les amis, vous étiez hyper chaud. Pour cet épisode les potes, un objectif 15 000 pouces bleus, je sais que vous pouvez le faire, c'est ultra simple. Voilà, et ce sera 15 000 pouces bleus pour qu'en fait, en gros, j'aille en vacances chez Souka. Yes dans du coup, voilà, franchement, bombardez un maximum. Yes les potes, ouais les potes, allez, mettez tous des likes comme ça, DiaboloFit35 passera des vacances chez moi les potes, ce sera ultra génial, voilà, on compte sur vous les potes. Du coup, voilà, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Diabolo? Bah là, aujourd'hui, bah voilà, on a des petites activités de prévu. Ouais. Là, tu sais, alors là pour l'instant, le programme, ce qu'on a fait depuis le début du séjour, on a fait quoi? Attends, on a fait le premier jour, on vous a fait visiter la maison. Ouais. Ensuite, on a fait un cache-cache dans le parc à côté, ouais, c'est ça. Ensuite, l'autre jour d'après, on avait fait quoi déjà? On les avait espionnés. On les avait espionnés, c'est vrai. Voilà. Oh, c'était incroyable aussi. Franchement, les potes. Ouais, c'est pas plus simple. Il y en a qui ont des arbres, j'en suis presque sûr et certain là. Parce que j'ai compté là, juste hier soir, j'ai compté les arbres qu'il y avait, il en manquait un. Donc, il y en a ok. Donc il y a des petits missiles. C'est Carice. Ce que je te propose de faire, Souka, c'est qu'on aille juste visiter, faire un petit tour dans le quartier, puis faire une après-midi gâteau, un truc comme ça. Vas-y, ça marche. On se fait une... on peut se faire une petite soirée ce soir. Ouais, carrément. Bah vas-y, ça fait super génial ça. Vraiment les potes. Franchement les potes, je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin les amis, parce que je pense que cette vidéo sera vraiment géniale. On va faire vraiment beaucoup de trucs. Du coup c'est super. Billy, ça va aller parce qu'on t'entend pas trop depuis tout à l'heure. Oui, ça va, papa. Ouais, t'es sûr? Oui, papa. Ouais, ok, d'accord. Bon, attends, tu sais quoi? Attends, je vais parler avec lui parce qu'il m'a pas l'air d'être bien, lui, là. Ok, bah vas-y, avec les enfants, on va faire un peu de billard. Vas-y, ok. Vas-y, viens, Billy, on va monter en haut. Vas-y, fais la boule. Ok, what? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ok, d'accord. Bon, Billy, attends, qu'est-ce qui se passe là? Parce que bon, je te rappelle, Billy, qu'on dort à côté, d'accord? Et je t'ai entendu pleurer un petit peu cette nuit. Mais je suis amoureux de Juliette, enfin, mon cœur, il fait bim bam boum. Quoi? Elle, papa. Non, sérieux? Mais comment ça se fait? Parce que t'as déjà une copine, c'est Luna. Mais. Non, c'est pas ma copine, qu'est-ce que tu dis? Non. What, les potes? Billy, il est vraiment... t'es pas cohérent, Billy, vraiment. Bon, je sais pas. Bon, les potes, je pense que c'est des amourettes de vacances, c'est ça? Oui, après, ça peut aller au mariage, hein. Wow, ok, le mariage, carrément, d'accord. Bon, on verra ça. Bon, en tout cas, tu lui as dit à Juliette que t'étais un petit peu amoureux d'elle? J'ose pas le dire, papa, c'est pour ça. T'oses pas lui dire? Et Diabolo, il est au courant? Oui, je sais pas, papa, moi. Quoi? Oh là là, les amis, je pense que Diabolo n'est pas au courant. Je pense que tu ne lui as pas dit, hein? Non? Ouais, ok, d'accord. Bon, vous savez quoi, les potes? Je vais aller voir Diabolo, je vais lui annoncer la nouvelle. Et on verra qu'est-ce qu'il va nous dire, les potes. Je pense qu'il sera un petit peu choqué. Alors, attendez, ils sont où? Ah, Diabolo! Coucou, ça va? Ça va, enfin, bon, ça... Ça peut aller, attends, viens, faut que je te dise un truc. Ça s'est bien passé là, la discussion. C'est à toi de jouer, Attends, je vais jouer après. Ok, vas-y, votre papa il arrive, les enfants, deux secondes. Vas-y, Souka, viens. Okay. Viens, faut que je te dise un truc parce que bon, Diabolo, j'ai une discussion avec Billy là. Ouais, j'ai eu une petite discussion avec Billy, il m'a réveillé quelques petits trucs, hein. Ah oui, t'as dit quoi? Alors, attends, viens.
Tu sais, j'ai parlé avec Billy, tu vois, et ça fait maintenant 3-4 jours, on est 3 jours, on est chez toi maintenant. 3 jours, c'est ça, ouais. Et en soi, Billy, il a eu quelques petits liens avec tes enfants, tu vois. Liens, c'est-à-dire En soi, il est devenu pote avec un petit peu Tom, Juliette, ouais, Caris, etc. Et en soi, là, il vient de me dire qu'il est tombé un petit peu amoureux de Juliette. Wow, je suis mort, c'est trop mignon. Bah ouais. Il avait pas de copine lui? Ouais, il avait une copine, Luna, mais je pense qu'il l'a oublié durant ses vacances, hein. C'est un petit peu bizarre. Donc c'est des amours d'enfants. Hein. Ouais, voilà, ils sont jeunes encore, hein. ils sont un petit peu jeunes. C'est des amours, ça dure 2 jours chez eux. Ouais, c'est ça. Donc en soi, j'avais... Alors Nisuka, ça durera 10 ans. Ouais, c'est ça. Moi, avec moi, mec, ça durera 10 ans, moi je te dis tout de suite. What? Mais qu'est-ce qu'il fait? Eh Luna, t'as piqué un chariot de magasin de supermarché. Ouais, non. Mais t'as trouvé ça où? Tu l'as trouvé dehors. What? Ok, d'accord. Faut qu'on fasse le petit tour dans le quartier. Ouais, vas-y, carrément. Vas-y, let's go, les amis. On va faire un petit tour dans le quartier avec tous les enfants. Du coup, tout le monde venez. Allez, on va faire un petit tour. Allez, Juliette, Billy. What? Ok, c'est bon, tout le monde est là. C'est parti, les amis. On va faire un petit tour du quartier. Et en même temps, les potes, on va voir comment Billy pourra séduire Juliette, les potes. Parce que bon, je pense que ça va être un peu compliqué. Ouais. Souka, là, c'est la maison des abonnés. Ouais, ah ouais, elle est stylée. C'est la maison de mes abonnés. Ok, mais il y a beaucoup d'abonnés, dis-moi. Oui, on a beaucoup, hein. Plein, okay. Regarde, la maison est pleine. Ok, d'accord, what, les amis, franchement, regardez la maison des abonnés de Diabolo, elle est incroyable. Et ensuite... Ça, c'est la maison de Raisin. Ah, ok, d'accord, elle est stylée, sa maison. Elle est... Bonjour tout le monde. Ah, what the fuck. What? Ça va, c'est quoi, ça? Je lui tire dessus ou quoi? Je lui tire dessus. Non. Calme-toi. Mais policier, pourtant moi je suis policier dans cette ville et je te connais pas. Non, ça, je viens d'être muté. Ah, c'est aussi, t'es aussi un. Il a une tête bizarre. Juste pendant les vacances. Eh bah, t'es bizarre. Non, du coup, t'es un poussin comme moi. Ouais, c'est ça. Attends, Diabolo, je vais te présenter, c'est Carlos. Tu sais, la mienne. Ah, c'est Carlos. Ok, c'est Carlos. Ouais. Dis-moi comment ça va, Carlos. Carlos est un personnage très connu, hein. Ouais, c'est un personnage très connu. En plus, il est flic maintenant, c'est incroyable. Ouais, sortait de ma voiture. Et t'es policier maintenant dans cette ville là, toi? Ouais, juste pendant les vacances, hein. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord, t'es venu voir ce que c'est que bien. C'est un stage d'observation. Ok, d'accord. On peut continuer notre balade, regarde, vous allez voir. Ouais, vas-y. À la prochaine. À la prochaine, Carlos. Ciao, ciao. À la prochaine, Carlos. Regarde, tu vois, les maisons les plus incroyables, elles sont là-bas, mais c'est les plus chères aussi. Oula, c'est les maisons de riches, ça, non? Ouais, apparemment, il y a un youtubeur qui habiterait là-bas, genre, je crois que ça commence par Capitaine, je crois, un truc comme ça. Capitaine, ah oui, d'accord, ça doit être le Cosmos, non? Je sais pas. Oui, c'est ça, je crois que c'est ça. Ouais, ok. Ça, c'est sa maison, la bleue, là. Waouh, ok, ah oui, ok, d'accord, les. Il y en a qui se font plaisir. Ah, ben, il y en a qui se font plaisir, c'est le cas de le dire, là. Waouh. Mais dis-moi, il y a que des millionnaires ici, non? Ah ouais, il y a beaucoup de ça. Regarde là, il y en a avec un digicode et tout. Après, tu sais, il y a pas que des quartiers beaux, mais là, on est dans les quartiers les plus beaux de la ville, en fait, c'est pour ça. Ok, d'accord. Waouh, les potes, dites-nous si vous trouvez la ville stylée, parce que moi, je la trouve ultra stylée. Billy, Eva, vous en pensez quoi, vous? Ah, super beau, papa. T'aimes bien, Billy? Ouais, oui. Ok, ça marche. Bah vas-y, let's go. Mais franchement, Diabolo, ta ville est ultra stylée. Et merci. Vous avez un carrefour, un truc comme ça à côté? Parce que j'en vois pas trop à part des villas. En fait, c'est un peu plus loin. C'est un peu plus loin. Ok, c'est un petit peu plus loin. Faut prendre la voiture, du coup. Ouais, en fait, tu vois, c'était soit on habitait en immeuble. Ouais. Ou alors dans une maison plus petite. Mais si on voulait vraiment une grande maison, en fait, on est à 15 minutes du gros centre commercial qui est. Ok, d'accord. Bah, en soi, c'est stylé, t'es bien positionné. Oui. Bah, oui, du coup, tu vois, on a un quartier très tranquille en fait. On n'a pas de. Ouais, non, y a pas de bruit, c'est calme. Ouais, de ouf, ouais. Ce qui est cool, c'est qu'on a accès direct pour l'océan avec nos bateaux, du coup. Ouais, j'ai vu, il y a un grand port derrière chez toi. Eh, ce port, je l'ai kiffé de ouf. Vous si vous l'avez pas vu, allez voir les dernières vidéos. Ah ouais, et du coup, toi, t'as un bateau à toi tout seul. Bah oui, mais moi, c'est carrément sur mon port privé, tu sais, je t'avais montré. Ouais, c'est ça, elle était incroyable. Non, ça va, t'inquiète. On va faire le voir dans sa maison, mais je crois que sa maison est très stylée aussi. Hein. Ouais, ma maison aussi est grande, hein. Tu verras quand tu la visiteras. D'accord. On viendra s'il y a 15 000 likes. Ouais, les potes, franchement, bombardez les pouces bleus, c'est important, les amis. Du coup, Diabolo, faut qu'on va revenir à nos moutons, ok? T'es chaud? Vas-y, dis-moi. Du coup, faut qu'on. Toi, tu sais pas comment Billy. Parce qu'en fait, Billy ne sait pas comment parler à Juliette, tu vois? Bah, à mon avis, Juliette, tu sais, vu les premiers jours, comment elle avait agi avec Billy, je pense que.
ça peut bien se passer. Peut-être qu'il peut lui dire, Billy, viens, on va se faire une petite LAN, genre sur les nos ordinateurs, et puis ouais. Je pense que ça peut aller plus vite après. Vas-y, ok, on va essayer ça. Billy, viens ici. Elle aime bien Call of Duty. Ok, merci Tom. Oui. Ok, Tom nous a donné une petite astuce. Non, mais Call of Duty. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Ah ouais, elle aime pas Call of. Ok. Si, elle aime bien, mais c'est pas fait pour elle. Ouais, je sais, ouais, ils sont jeunes, c'est vrai. Oh, oui, c'est vrai, ok, faut pas qu'ils y jouent. Dis-leur de jouer à Minecraft, c'est beaucoup ouais, mieux. Ouais, Minecraft, c'est beaucoup mieux. En plus, c'est le meilleur jeu. Du coup, alors attendez. Bah attendez, les enfants. Caris, Booba, est-ce que. Attendez, faut laisser Juliette et Billy tout seuls. D'accord. Ah, ok. Ok. Vas-y. Tu es le chien. Quoi? Non, ça va, c'est un zombie. Il est pas mort. Non, il est pas mort. Ok, il va revenir. Mais par contre, t'es complètement malade, hein. Je t'ai vu, t'as mis un coup de fusil à pompe dans le chien. What? Il a tué le chien. Caris, tu vas venir faire un tour. Privé de gâteau ce soir. Le gâteau par exemple, sera privé. Hein. Okay. Bon, du coup, on va les laisser, c'est ça? Tu voulais laisser? Ouais, on va les laisser comme ça. Ils vont faire connaissance bien comme il faut, les deux. Ok? Ok, vas-y. Caris, viens là! Bah, attends, vas-y, Billy, va voir Juliette. Elle est où, Juliette, là? Oui, elle est où, Juliette? Attends, elle est où, Juliette? Elle est à la maison, je crois. Elle est là, Juliette. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, regarde! Elle est en train de planter des fleurs, je crois. Mais Juliette, elle est en train de pleurer. Oh non! Ton chien, elle est pas mort, Juliette. Oh non, elle est en train de pleurer, la pauvre. Mais non, ça va, Juliette, mais il va revenir. Il a mal. Mais t'inquiète, il va revenir. Ouais, il va revenir, Juliette, t'en fais pas, d'accord? Voilà. Je t'ai fourré. What? Ok, d'accord. Bon. Juliette, tu veux un câlin? Ouais, faut. Oh, c'est... Billy est trop fort. Oh, regarde, il est en train de la réconforter. Tiens, câlin. Pleure pas, je te sèche les larmes. Oh, merci. Bah, je crois que t'as vu, Souka, le soleil est en train de se coucher, ça nous aura occupé toute la journée. Mais de ouf. Ok, d'accord. Eh, regardez, ça marche plutôt bien. Billy a vraiment bien réconforté. Eh, du coup, Souka, ce qu'on peut faire, c'est qu'on organise une soirée. Vu que ça, c'est la soirée, on a dit qu'on fait une soirée. Et je pense qu'ils vont se rapprocher avec la soirée. Ah, mais de ouf. Ça marche. Ok, bah, du coup, les amis, je pense qu'on va faire une grande soirée avec tout le monde. Let's go. Du coup, on va préparer la soirée. Du coup, je vais commander Uber Eats, hein, parce que... Ouais, tu commandes Uber Eats, etc. Je pense que ça va être cool. Allez, venez tous, les enfants, on va tous faire une bonne soirée, on va bien s'amuser tous ensemble. Allez, go. Let's go. Super, les potes, du coup, les enfants ont l'air ultra pour la fête. Du coup, on fait la fête ici? C'est good ici? Ouais. Ok, ça marche. Du coup, les amis, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dès qu'on aura tout commandé, les pizzas, etc. A tout de suite. C'est bon, les amis, voilà, il est actuellement 21h. Moi et Diabolo, et ainsi que tous les enfants, on a préparé une belle petite fête. Et voilà, donc la fête va pouvoir commencer. On a c'est commandé, parti. Voilà, moi j'ai encore un petit Uber Eats. Ouais, il y a beaucoup de bouffe là. Des burgers, des pizzas et tout. Mais franchement, voilà, c'est le feu. Hein. C'est le feu là. Franchement, ok, du coup, les enfants, ça va vous... Oula. Oui. Qu'est-ce que tu fais dans les toilettes, toi? Okay, c'est ton siège privé, d'accord, ça marche. On mettra un canapé, toi. Hein. Ouais, on mettra un canapé parce que bon. Voilà, on va mettre voilà, un canapé. Nice. Oh, ok, nice, super. Bon. Du coup, les potes, ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est que nous allons voir comment Juliette et Billy vont se rapprocher durant cette soirée, les potes. Franchement, dites-nous dans les commentaires si vous pensez qu'ils vont réussir à se mettre ensemble ou pas. Toi, Diablo, t'en penses quoi? Tu penses qu'ils vont réussir? Bah, je pense. Ouais, je pense, on verra. Du coup, attends. Billy, vas-y, c'est quand tu veux, invite-la à danser. Ah oui. Vas-y. Julie, tu veux danser avec moi, s'il te plaît? Je sais pas. Oh, vas-y, what? Je t'apprends si tu veux. Oh, là, c'est gentil. Un slow? Ouais, un slow. Oui. À nous deux, oui. Bon, d'accord. Oh, c'est bizarre ta musique là. Elle est ça vous va. Ok, il super. Il a des musiques bizarres. Ouais, là, il a mis une petite musique un petit peu bizarre. Tu fais comme ça. Oh, il apprend à danser. Oh, ouais, c'est trop mignon. Attends, éloignez-vous tout le monde. On les laisse. Vas-y, on les laisse. Écartez-vous. Tom, Caris, Booba et tout. Venez. Eva, fais comme moi. On va voir. Attends, non, moi j'ai une idée meilleure. Oui, quoi? On se prend par les mains et on tourne en rond. Oh! Oh oui! C'est une bonne solution, ça. Allez, les potes, on va voir comment ils vont danser. Il manque un peu de musique. Oui, c'est vrai. Caris, il pourrait peut-être faire... Ouais, mettre un petit peu de musique, ça serait bien, là, parce que c'est un showcase. Un petit showcase de Caris. De ouf. Ok, je vais voir tout le monde sur la piste. Ouais, let's go. Wouh! C'est super. What? Ok, les amis.
venir regarder. On met les mains sur les hanches des filles et on danse. Ok. On a une musique un petit peu romantique. Ok, on va voir. Oula, je pense que Eva aussi. Eva, Tom, oula, vous rapprochez pas trop vous deux, hein. Alors, on vous voit hein, quand même, hein. Je crois qu'ils vont se faire un bisou, regarde. Ils se sont fait un bisou, c'est incroyable. What? J'ai enlevé l'ambiance. Mais c'est pas un spectacle. Mais c'est trop marrant. Vas-y, c'est incroyable. Regardez. On va les laisser tranquille. Vraiment, vas-y, on vous laisse tranquille. Faites votre mission. Ta mission, elle est accomplie, les amis. Regardez, il y a Juliette et Billy qui se sont fait un bisou. Du coup, je pense qu'ils sont amoureux les deux. Hein. C'est le cas, hein, vraiment. C'est le cas. Regardez, ils s'arrêtent plus. Hein. Ils continuent à danser. Waouh. Ok, d'accord. Ok, c'est bon. C'est bon, vous allez vous calmer un petit peu. C'est soir, vous dormez chacun dans votre chambre. Ouais, chacun dans votre chambre par contre. Il n'y a pas de. Oh là là, Billy, calme-toi, quand même. Non, pas de... on va pas aller loin quand même. Bon, en tout cas, je pense quand que c'est plus bien grand, déroulé. Hein. Ouais, quand vous serez plus grand, allez. Dans 10 ans, vous dormirez ensemble, d'accord. Dans 10 ans. Ok, d'accord. En tout cas, je pense que la soirée s'est super bien déroulée, Diabolo. T'en penses quoi, toi? Parfait. On va aller dormir parce qu'il commence à se faire tard. Ouais, il commence à faire tard là. Il est quelle heure là? Oula, il fait nuit et tout dehors. Il est bientôt 1h du matin. Il est bientôt 1h. Du coup, les enfants, allez hop, tout le monde au lit. C'est bon, voilà. Nice. En tout cas, les enfants. Je vais dormir du coup. Ouais, vas-y, Diabolo, allez, bonne nuit à toi. On se dit à demain du coup. Ouais, vas-y, à demain. À demain pour le grand jour. Ouais, le grand jour, les potes. Sur la chaîne de DiaboloFit35. Du coup, n'hésitez pas à aller voir, les potes. Parce que la vidéo sera vraiment incroyable. Je tiens à vous le dire. Du coup, Juliette, Billy, hein, je compte sur vous. Vous allez pas vous voir pendant la nuit, hein. Oui, papa, on va pas se voir. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, d'accord. Ah, super, vas-y, Caris, vas-y, surveille-les. Super, du coup les amis, voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Je vous rappelle l'objectif du jour, 15 000 likes à cette vidéo. Comme ça DiaboloFit35 et ses enfants viendront chez moi. N'hésitez pas aussi à devenir sponsor en appuyant sur le premier lien qui se trouve dans la description. Et sur ce les potes, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Souka, ciao les potes.